résout 1 égale 6 fois x exposant moins 2 plus 9 fois x exposant moins 4. D'abord, nous transformons l'équation sous cette forme-là, puisque x exposant moins 4 est égal à 1 sur x exposant 4, et x exposant moins 2, c'est 1 divisé par x exposant 2. Sous cette forme-là, on voit mieux la condition d'existence, le x ne peut pas être égal à 0. Ensuite, nous multiplions cette équation par x exposant 4 pour obtenir cette équation-là que nous ordonnons sous cette forme-là. Puisque l'inconnu x n'apparaît que sous la forme x au carré, ici nous voyons x au carré au carré, nous allons poser y est égal à x au carré. C'est ainsi que notre équation devient cette équation du deuxième degré en y. Le discriminant de cette équation, c'est-à-dire moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois moins 9, ce discriminant delta vaut 72. D'où les deux valeurs pour y, 3 plus ou moins 3 fois la racine carrée de 2. Nous avons donc deux cas à traiter, ou bien le x au carré vaut 3 moins 3 racines de 2, ou bien le x au carré vaut 3 plus 3 racines de 2. Dans le premier cas, nous avons 3 moins 3 fois la racine carrée de 2. Cette différence est strictement négative. Or, le carré d'un nombre réel ne peut pas être strictement négatif. Donc ça, c'est impossible dans l'ensemble R. Dans la deuxième possibilité, nous pouvons mettre un 3 en évidence, comme ceci, et ensuite nous faisons passer le carré de l'autre côté du signe d'égalité. C'est faisable puisque ce produit est strictement positif. Ainsi, nous obtenons ces deux valeurs possibles pour X. Et ces deux valeurs vérifient bien la condition d'existence. Elles ne sont pas nulles. Donc, l'ensemble solution de l'équation, c'est l'ensemble contenant ces deux nombres.